Merci de nous rester fidèles. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition Vespérale du journal qui retient au sommaire les gouverneurs de la province Moïse Katumbi-Tchapwe qui a inauguré le mercredi 13 février 2013 un nouveau pont jeté sur la route Chitourou à Likasi. Il a également saisi l'opportunité pour s'adresser à la population de la ville montagneuse sur l'amélioration de leur vécu quotidien. Et vous le savez, c'est ce 14 février que la Saint-Valentin est célébrée. Cette journée des amoureux n'a pas été mouvementée à Lubumbashi. Une fois de plus, bonsoir. Cette édition du journal est interprétée pour vous en langage de Sourmoué par Rigen Kanyemba. Comme promis par le gouverneur, un tout nouveau pont vient d'être construit sur la route Chitourou à Likasi. Il est adapté aux nouvelles dimensions de la route et remplace un ancien pont qui mettait la vie des habitants de Likasi en danger au quotidien. C'est un reportage de Nono Landou et Stéphane Chissou. Doté d'une voirie saine et moderne résultant de la force créatrice d'un gouvernement provincial qui aime faire bouger les choses, la ville de Likasi est à nouveau coquette, surtout avec cet autre important atout constitué des premiers feux de signalisation dotés à la ville montagneuse. L'honorable gouverneur de province, Moïse Katumbi-Tchapwe, s'y est rendu ce mercredi 13 février 2013 afin d'inaugurer et d'ouvrir au trafic le tout nouveau pont Chitourou, qui enfin remplace l'ancien danger en bricolage qui aidait à relier tant il pouvait le quartier Chitourou au reste de la ville de Likasi. Le nouveau pont est en structure métallique, long de 9 mètres et de 8 mètres de largeur avec des accotements et des trottoirs pour piétons. Il est fait de manière à supporter des charges au-delà de 80 tonnes. Ce soulagement pour les habitants de Chitourou s'est fait sentir dans leurs propos. En quoi est-il différent de l'ancien pont? Le premier pont,
Du fait que nous avons fait avoir les projets de la route, nous étions obligés d'adapter les ponts qui étaient ici. C'est un petit pont pratiquement de 4 mètres de largeur. Donc la largeur de la route est de 7 mètres. Pour que deux véhicules puissent passer, ne puissent pas se croiser au niveau du pont, il a fallu nécessairement changer la structure du pont. Donc c'est un pont neuf. La structure est métallique comme vous la voyez. C'est un pont qui peut supporter une charge au-delà de 80 tonnes. Restons sur le même chapitre, alors qu'il s'est rendu à Likasi le mercredi 13 février pour inaugurer le nouveau pont qu'il a fait construire sur la route Chitourou. Les gouverneurs en ont profité pour s'adresser à la population et aborder les sujets qui alimentent la vie dans la ville montagneuse. Accueilli en pompe sur les sites du nouveau pont Chitourou, l'honorable Moïse Katumbi Tchapo a réuni son monde habituel, constitué d'innombrables habitants de Likasi venus lui témoigner leur soutien et le remercier pour cette énième réalisation à leur profit. Habillé à l'effigie de feu l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanke, il rappelait à l'opinion l'engagement de cet homme d'exception dans la vie de la RDC. Il profite de l'occasion pour leur parler à cœur ouvert. Tuko nekala chini, akuna mapenetre, akuna milango. Tuko nasigilizana.
code minière a sema kama unaenda kuyenga fwashi bantu weko kumpembeni ba voisin unapashwa kubachunga mu mzuri. Donc atable biote mina sema ba pale beko mana yenga yenga mitengeneze moto iko mu code minière. Tunasikilizana. Bo intellectuel ni kusoma na kucomprendre vintu biko mu code minière. Likasi munaria moto. Jogle miteshia. Problem kulikasi munetutezwa sana. Tulianza kuweka kabini ya sasa kwa kufanya distribution ya moto mulikasi. Bangata makable ni makabini elektroniki. Vyote vinafua nini? Vinalungula. Na hii mwezi kulikasi wanaiba kombien de kilometre? 66 kilometre ya kable wanaiba 3 kwa 66. Tunasikilizana. Kama unaangalia 66 kilometre ya kable tukuma 2 millions de dollars. Alors, au lieu tuendeleshe na makaja mipatia moto na mai, ile franga tuko obligea kurushia wale bamui. Bamwizi parce que bajikate hôpital ko ba prématuré bantu be na kufwa tukuna sigilizana. Alors mimi niseme hivi kule batanza kuiba makable kama naiba kulikasi atuka munisavu parce que population jo kajie bien tutanza kwenda sa fait 66 km kable tuna remplacer mu mwenje moya anze kuambia bantu kusensibiliser kule kwa kufuru ya bongo kama analeta makable anadenonse anaenda kwa kumeri tunasikilizana anaenda kula polisi mnadenonse paske ni mari yenu bwana fwa nini beko naiva ile mine milomba huko tuko naenda kumbele paske president de la republique aripromettre tutaanza kutengeneza sasa kuyenga stadi ya sasa mulikasi tunasikilizana. Alors batayenga stadi kama muna moto tunasikilizana. Tuko nafanya nguvu ya ima sustation ya sasa ya moto tuko nafanya. Bili lungu loko. Plus de 8 millions de dollars kulikasi chikubariba moto. 8 millions de dollars. Au moment où il exécute quelques pas sur le pont, il est comme dissous dans la marée humaine qui ne le lâche pas un instant. Une foule toujours croissante à la suite du gouverneur du peuple, le collant à la semelle. Comme promis, le gouverneur a réhabilité la clôture du stade Kikula de Likasi en les visitant le mercredi 13 février 2013. Il en a profité pour s'adresser à la communauté sportive de la ville montagneuse en apportant plusieurs solutions aux problèmes du football dans cette partie de la province. Le gouverneur s'étant récemment investi pour la construction d'une clôture solide au stade Kikula de Likasi, il s'y est rendu par la suite pour d'abord constater la réalisation de l'ouvrage, puis pour échanger les préoccupations de la communauté sportive de la ville montagneuse. Non, en tout cas, quand même, il y a pour pratiquer quand même football. Vu l'évolution, il y a football. Il faut quand même que ma ère de jeunes a chié tout. Il évolue et qu'on aille. Il leur annonce une allocation mensuelle de 10 000 dollars américains destinée aux équipes de l'entente urbaine de football de Likasi, un don d'une opératrice économique de la place, dont la mère offrait également l'occasion des jeux de vareuse à toutes les équipes. Pour alimenter l'esprit de compétition, le gouverneur sportif met en jeu 30 000 dollars américains pour la sélection de Likasi, Kolwezi ou Kamina qui battrait le TP Mazembe. Là où nous sommes, regardez un peu le poste, comment le terrain est. Vous avez affilié plus ou moins 12 équipes. Quoi c'est ça? 24 équipes. Et vous travaillez avec des grandes sociétés comme Tenke Fungurume. Et il y a plusieurs sociétés à Likasi. Ces gens-là doivent encadrer aussi là la jeunesse. Quand j'ai réhabilité notre tribune, la tribune qui est à ma gauche, je n'étais pas gouverneur, je crois. C'est vrai ou faux? Je l'ai fait en tant que président de Mazembe, en tant que quelqu'un qui aime le football. Mina Fuya, semaine prochaine, avant. Djambouenu. Avant, troisième Coupe d'Afrique, nous faisons une sélection à Likasi. Tout la Sigilizana. On couait, on winait Mazembe. Sélection à Likasi. En tout cas,
Nous sommes très contents parce que personne ne croyait que cette route sera réhabilitée. Mais avec le gouverneur que nous avons, l'homme le plus fort, en tout cas, il a pensé à nous de l'ICACI. C'est pourquoi vous voyez la répartition de la route. En tout cas, nous sommes très contents. C'est quelle route et elle va où? C'est du 24, ça commence ici au niveau du Dako, jusqu'à l'Ofira, jusqu'à venir à Kontu, là à la cité. C'est-à-dire que ça commence ici à la ville jusqu'à la cité. Donc ça va aider à la circulation? Oui, la circulation sera bonne. Il y a, si nous partons à la cité, il y a ceux-là qui peuvent emprunter cette route vers la cité, vers le marché qui coule là. Et les autres peuvent emprunter la route, l'ancienne route qui va là où nous étions au stade. Ça s'entoura, c'est une bonne nouvelle pour la population de l'ICACI. C'est une bonne initiative pour le gouverneur de Katanga. Et sur son chemin de retour, le gouverneur a visité les travaux de construction de la station d'épillage de Boulouo du pont bascule qui s'y construit avant d'être interpellé par un groupe de travailleurs d'une entreprise minière locale victime de plusieurs déviations. Sur le chemin de retour, il en profite pour visiter les travaux de construction de la station de péage de Boulouo et d'un pont bascule érigé à quelques mètres de là. Y parvenant à pied, le gouverneur, là aussi, a eu droit à une escorte spontanée. Et cela qu'il sera rejoint par des ouvriers de la société MJM Esperel, un opérateur minier qui s'illustre dans quelques déviations en rapport avec les conditions générales du travail. Les pauvres ouvriers œuvrent les pieds nus ou presque. Ils ont des babouches alors que leur patron s'accommode des bottes appropriées. Certains d'entre eux ont été victimes d'accidents de travail, se retrouvant amputés de quelques membres sans indemnisation. Aucun moyen de transport n'est mis à leur disposition. Un cocktail d'infractions explosives qui a sincèrement énervé un homme qui tient à un traitement digne des travailleurs de sa province. Indemnisé. Et 4, il n'y a pas d'hygiène ici. 5, il n'y a pas de transport. Vous voyez là où les gens viennent de la cité d'un peu partout, ils n'ont même pas le moyen de transport. Ils avaient exigé le bus. Demain, je ne trouve pas le bus pour le travailleur. Et on viendra vérifier tout le contrat. Et qu'on ne chasse pas un seul travailleur. Si on chasse un seul travailleur, cette société ici viendrait là avec le bulldozer. Sur le chemin de retour, il découvre la mort dans l'âme, le vol fréquent des batteries et des panneaux solaires destinés à éclairer les villages. Comportement paradoxal des personnes qui ont réclamé la lumière et qui décident elles-mêmes de s'en priver au nom de quelques profits égoïstes et mesquins. Voilà, autre chose à présent, c'est au consulat général de la Zambie que s'est tenue une réunion diplomatique entre une délégation congolaise avec à sa tête Juvenal Kitungwa, ministre provincial des infrastructures, urbanisme et habitat, et les vice-consuls générales zambiennes. Vous aurez à suivre cet élément de reportage dans nos prochaines éditions. Et les écoliers du secondaire et primaire au terme des examens du premier semestre ou des interrogations de la troisième période seront en détente jusqu'au 16 février. Selon les responsables de l'EPSP, les apprenants ont déjà à ce jour étudié une bonne partie de la matière. Les détails avec Maurice Mazel et Chris Odia. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les élèves et écoliers sont en détente. Ceux du secondaire viennent de passer l'épreuve du premier semestre, tandis que ceux de l'école primaire ont fini les interrogations de la troisième période. Beaucoup des établissements scolaires de Lubumbashi sont presque déserts
pendant cette période de détente, excepté quelques cas d'irrégularité qui se règlent dans les directions. Ceux des élèves qui n'ont pas pu payer les frais d'études ont eu la faveur de présenter à crédit les examens à la demande du ministre national de l'Éducation. Malgré la décision de laisser aux insolvables de poursuivre les cours sans être renvoyés de l'école, les responsables des écoles interpellent les parents des élèves non en ordre de paiement afin qu'ils s'acquittent le plus tôt possible pour le fonctionnement des écoles. Depuis la rentrée de classe édition 2012-2013, au regard du programme scolaire, les apprenants sont à mi-chemin du calendrier en vigueur. Par rapport aux résultats provisoires dans plusieurs écoles de Lubumbashi, les élèves faibles prennent déjà part aux cours de rattrapage pour qu'ils améliorent tant soit peu leurs résultats avant la fin de l'année. Au dire des pédagogues, la période de la détente permettra aux titulaires de classe d'apprêter les cotes et aux autres enseignants de mettre à jour leurs cours. Pendant ce temps, les écoliers et élèves dorment tranquillement sur leur laurier pour se refaire. Et dans 6 mois, démunis, délaissés et ceux qui ne savent ni lire ni écrire peuvent être au même de le faire, cela grâce à l'ONG Rhodes de Mme Karen Katumbi et à Alphalit, une autre ONG américaine qui ont signé un partenariat y afférent. Et ce jeudi 14 février, les deux ONG ont organisé un atelier de formation des formateurs de 4 jours. C'est le directeur de cabinet du gouverneur qui en a présidé l'ouverture. Sans la maîtrise de la lecture et les calculs, notion de base et point de départ d'une démarche visant l'analyse et l'amélioration de la situation sociale dans sa globalité, il est difficile d'exercer un métier qui rapporte. Et pour combattre cet analphabétisme qui en est facteur primordial en RDC, où plusieurs sont concernés, l'ONG Rhodes de la présidente Karen Katumbi et Alphalit, une ONG américaine, ont signé un partenariat ad hoc. Question de permettre aux analphabètes condamnés au petit métier de s'insérer dans la vie sociale en vue d'accéder à des emplois décents. Jeudi 14 février 2013, l'heure était à l'ouverture de l'atelier des formations des formateurs au CEF, Centre d'éveil de la femme de Lubumbashi. Fulbert Simbi, représentant de Mme Karen Katumbi, est le premier à prendre parole. Il souhaite la bienvenue aux hôtes et présente les bien fondés d'alphabétisation. Votre participation à cet atelier de formation constitue la preuve de votre dévouement et de vos soucis de contribuer à la réduction du taux élevé des analphabètes dans notre pays. Il sera suivi du numéro 1 de Alphalit en RDC qui mettra un accent particulier sur les catégories des personnes à qui sera destinée cette formation de 6 mois seulement. Il s'agit des démunis, les défavorisés qui seront pris en charge pour accéder aux arcades de l'éducation des bases. Et le président de Alphalit International abonde toujours dans le même sens. C'était avant les mots de circonstance de Witumulongo, représentant du gouverneur des provinces. Et donc, qu'Alphalit International ait accepté, du coup, à venir au secours de Rhodes, soutenir Rhodes dans cette belle aventure qu'elle a commencé voici plus ou moins 6 ans aujourd'hui, si je suis en harmonie avec ce que je sais, c'est un grand motif de joie et de satisfaction. Comme je l'ai dit, le Congo a 11 provinces. Dans cette formation des 4 jours, soit du 14 au 18 février 2013, les formateurs viennent de partout, à l'instar du directeur d'Alphalit, Angola, Bénin et d'ailleurs. Et les Katangais, via le mouvement des jeunes pour la dignité et le développement MJDD en sigle, viennent dépenser aux enfants victimes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, sur initiative du MMG, plus de 700 kilos de biens dont les fournitures scolaires ont été collectées. La présentation de ce bien a eu lieu le mardi 12 février 2013 et ce week-end qu'ils seront convoyés à Goma pour leur émission aux concernés. C'est un reportage d'Antoine Roger Mbouimouamba. Avec plus de 700 kilos de différents biens collectés, dont les fournitures scolaires et autres,
Les Katangais, via le MJDD, Mouvement des jeunes pour la dignité et le développement, ont voulu traduire ou mieux exprimer leur solidarité et compassion à l'endroit des enfants et jeunes des Goma, victimes de la guerre. Ces biens sont les résultats de l'appel lancé par ces mouvements des jeunes du Katanga. Leur présentation aux partenaires du MJDD a eu lieu mardi 12 février 2013 en la salle Espérance du Collège Imara. Une action caritative et de charité saluée dans les différentes allocutions du jour. Dans l'interprétation des chansons, comme dans la présentation des scénarios, déclamation des poèmes, les méfaits de la guerre, à l'instar de celles qui se passent à l'est de la RDC, était le message central. Justement, la motivation qui nous a poussés, c'est d'abord l'essence humaine qui nous a beaucoup dévorés. Quand ça bouge chez les voisins, en tout cas, on doit porter ses cours. C'est ça, mais la grande motivation. Et puis, on s'est dit qu'il y a des élèves qui doivent terminer l'année scolaire, mais ils ne savent pas terminer s'il y a une répétition de guerre. Donc, à tout moment, il y a un mouvement oscillatoire. Ils partent, ils reviennent. Il était vraiment impérieux pour nous d'intervenir beaucoup plus dans les cadres de l'éducation. Et justement, comme vous le savez, l'éducation, c'est vraiment un facteur important qui garantit le développement intellectuel et harmonieux des jeunes d'aujourd'hui pour demain. Déjà, ces biens récoltés seront convoyés à Goma ce week-end et l'équipe de MJDD se rendra à Goma la semaine prochaine pour la remise à qui de droit. Je le disais dans les sommaires, c'est ce 14 février 2013 que quelques rares magasins de Lubumbashi se sont approvisionnés des articles à la couleur de la Saint-Valentin. En effet, la journée d'aujourd'hui, les mondes commémorent la fête des amoureux. Mais à Lubumbashi, selon les observateurs, l'ambiance de la Saint-Valentin a régressé. Et protéger les câbles électriques, déférer les voleurs à la police, évacuer les immondices et garder un environnement sain. Tels sont les points abordés par le bourgmestre de la Kenya, Gustave Goy, à ses cadres de base au cours d'une séance de sensibilisation ce jeudi 14 février 2013. Et vous le savez, déjà depuis le 12 février 2013, feu honorable Katumba Mwakye vient de totaliser une année depuis sa mort. Cependant, sur la question des découpages et décentralisation en République démocratique du Congo, il s'était prononcé là-dessus. Pour lui, dès son vivant, les découpages sont constitutionnels, mais le moment n'est pas le bienvenu, car il y a des préalables à résoudre dans les questions des infrastructures. Suivez le dans un reportage de nos confrères. Ça a soulevé beaucoup dans la province de Bandundu, la province du Kassai, Katanga. Vous savez, les gens sont en train de se regrouper maintenant au mois d'avril. Vous voyez, l'Union européenne est en train, ne fait qu'ajouter des pays dans le bloc pour faire des grands blocs pour être forts. Moi, je crois que le problème de découpage à ce stade, il est prématuré. C'est vrai que c'est constitutionnel, et on respecte la constitution. Moi, je pense qu'il faut qu'on y aille progressivement. Et le plus important, c'est d'abord de mettre les infrastructures. Parce que quand les infrastructures seront mises, quand on pourra partir, je prends seulement l'exemple de notre propre province, quand on pourra partir de Lubumbashi, jusque Kolwezi, Dilo, Sando, Kapanga, avec une route asphalte. Quand on pourra partir de Lubumbashi, Likasi, Kyumbo, Mitwa, Manon, Nyunz, Kabalu, Kalemi, avec une route asphalte. Et quand on pourra partir de Lubumbashi, Kasomeno déjà c'est asphalté, Kilwa, Kasenga la traitée, et puis on revient Kilwa, Pueto, Pepa, Moba, Kalemi. Avec ces trois axes, plus le chemin de fer du côté du nord. Alors là, moi, je voudrais qu'on pose la question aux gens si vraiment ils veulent se les découper. À mon avis, le découpage est prématuré. Je crois qu'il faut qu'on reste d'abord comme un bloc. Nous avons des petites différences, mais c'est parfois aussi la richesse dans la diversité. Et puis, il ne faut pas qu'on précipite. Il ne faut pas que, justement, on crée des problèmes en faisant le découpage, alors qu'on voulait les résoudre. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait des provinces où le gouverneur n'a même pas un vélo. Alors là, ça va devenir un sérieux problème.
Donc moi, je crois que c'est ça mon point de vue. Et je ne pense pas que le gouvernement est prêt sur le plan matériel, économique et financier à faire des découpages dans tout le pays. Et puis, bon, on n'a pas le temps, on est en train d'aller vers les élections. Je crois que tout compte fait, il faudrait voir ça si on ne peut pas faire ça. D'abord qu'on mette les infrastructures. Et si la population, il faut aussi écouter la population. La population dit que non, nous voulons réellement les découpages dans ce moment-là. Il est le souverain primaire, de la même manière. Mais on est un manque, on est fort comme ça en tant que Katangi. Et même, on pèse sur le plan national parce qu'on est un bloc. Le jour qu'on est divisé, on ne sera plus ensemble. On va même perdre l'identité. Si on devait découper dans les 26 provinces, la seule province qui va garder le nom de Katanga, c'est Maro Katanga. Tous les autres vont devenir Lualaba, Tanganyika. Donc, l'identité de Katanga, moi je crois que j'y tiens. À présent, la rubrique Lue pour vous, l'actualité locale, nationale et même internationale avec nos confrères de la presse écrite. Dans ce nouveau numéro Lue pour vous, le journal qui proclamait à la une, Cannes 2013, le Nigeria champion d'Afrique. En finale, il a dominé et frappé le Burkina Faso 1-0. Les Super Eagles décrochent leur troisième titre de champion et retrouvent le rang des années 1990. Guerre de l'Est, la SADC envoie 4000 hommes combattre les rebelles du M23. Étienne Kabila, arrêté en Afrique du Sud, il a été identifié comme le chef du groupe des 19 rebelles. La police sud-africaine avait infiltré depuis plusieurs mois un groupe appelé Union des Nationalistes pour le renouveau UNR de la RDC, visant selon l'accusation à renverser inconstitutionnellement le président Kabila et qui devait suivre un entraînement militaire dans le nord du pays. Étienne Kabila devrait rejoindre les 19 autres hommes devant le tribunal de Pretoria à l'audience prévue ce jeudi 14 février. Concernant la guerre de l'Est, le confrère écrit « La SADC, Communauté de développement d'Afrique australe, dont fait partie la RDC, a décidé l'envoi d'une force de maintien de la paix pour combattre la rébellion du M23 dans l'Est du pays. Même si, hiérarchiquement, elle répondra aux Nations Unies, auteur du plan régional de paix, cette force de 4000 hommes aura sa propre structure de commandement et ses propres règles d'engagement sur le terrain. » Elle ne sera pas soumise à la MONUSCO, force de 17 000 hommes des Nations Unies, non autorisée à combattre, mais qui pourra sans doute soutenir les combattants en termes de logistique ou de renseignement. Et en sport, toujours commente le journal Kiproko, le Nigeria accroche une troisième étoile sur son maillot. Et de trois, le Nigeria de Stephen Keshi a décroché son troisième titre de champion d'Afrique et retrouvé son rang du début des années 1990 en battant en finale de la CAN 2013 de Burkina Faso, équipe surprise du tournoi. Les Nigérians qui succèdent à la Zambie disputeront leur première Coupe des Confédérations du 15 au 30 juin au Brésil et renouent avec une histoire glorieuse, celle des titres des 1980 et surtout 1994 lorsque les Eagles étaient devenus les Super Eagles à la faveur du titre continental et d'une première participation à une Coupe du Monde. Et enfin, dans le us de notre confrère, on peut lire la francophonie de la religion. Ils sont près de 1500 venus apporter l'évangile de Jésus-Christ en France. Ils, ce sont des prêtres catholiques venus d'Afrique et d'Asie pour combler le vide causé par la pénurie des vocations. Parmi eux, beaucoup de Coréens, des Indiens, des Vietnamiens et des Congolais de la RDC qui constituent aujourd'hui 10% de l'ensemble du clergé. Aux confrères de Kiproko de conclure, décidément, la francophonie, ce n'est pas seulement le partage d'une langue commune, c'est aussi l'échange des cultures et de la foi. Alors, vive la francophonie! C'était la Lue pour vous dans un commentaire des consulats Kanja à Maklovera.
Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition du journal. Je vous rappelle le principal titre. Le gouverneur de la province Moïse Katumbi-Tchapwe a inauguré le mercredi 13 février 2013 un nouveau pont jeté sur la route Chitourou à Likasi. Il a également saisi l'opportunité pour s'adresser à la population de la ville montagneuse sur l'amélioration de leur vécu quotidien. Et puis, vous le savez, c'est ce 14 février que la Saint-Valentin est célébrée. Cette journée des amoureux n'a pas été mouvementée à Lubumbashi. Je vous rappelle que cette édition du journal a été interprétée pour vous en langage de Sourmioui par Rigen Kanyemba. Merci de nous avoir suivis. Madame, Monsieur, restez fidèles au programme de Nyota Télévision. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.